Les salariés de Cegelec se sentent trahis. Au fil du temps, leur remboursement de frais de santé ne leur aurait pas été intégralement reversé, voire plus du tout. Il y a quelques semaines, la direction suspecte un détournement de fonds au sein de la mutuelle santé interne à l'entreprise. La secrétaire soupçonnée, une ancienne employée aujourd'hui patentée, n'est plus revenue sur son lieu de travail. L'objectif, c'était effectivement d'apporter à chacun des employés de Cegelec une couverture, on dira 100% des soins, là où effectivement la CPS n'en assure que 70% aujourd'hui. Une plainte vient d'être déposée pour détournement de fonds. La secrétaire soupçonnée gérait un budget annuel de 10 millions de francs. Les détournements présumés porteraient sur plusieurs centaines de milliers de francs. Pour le personnel, c'est le choc. Surpris, parce que cette personne travaille depuis longtemps en fait à la Cegelec. Et très fâchés, enfin, ils attendaient leur remboursement qui ne sont jamais venus. Ce matin, le comité d'entreprise s'est réuni pour choisir une nouvelle mutuelle santé extérieure à la société. Fini la gestion dite familiale en interne.